Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui, unboxing partenariat Babycraft. Alors oui, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la boutique Babycraft que vous devez tous connaître hein, maintenant. C'est voilà. Donc sur laquelle donc vous pouvez trouver des dyes, des tampons, clears, etc. Enfin tout plein d'articles. Vous avez énormément de choix dans cette boutique. Et donc j'ai eu le plaisir donc de les contacter pour avoir un partenariat avec eux. Donc il faut tout simplement avoir 100 abonnés. Ensuite vous commandez pour 40$. C'est tout simple. Après vous présentez la commande, voilà ce que vous avez reçu, ce que vous avez choisi surtout. Et puis après, vous faites une autre vidéo pour faire des créations avec ce que vous avez commandé, tout simplement. Alors la livraison, sachez que ça a été très très rapide, vraiment. Ils l'ont envoyé le 2 décembre, je l'ai reçu il y a 2 semaines, donc là j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'avais tellement de choses. Et puis bon, dans cette période hein, de fête, on est assez... assez prise, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors pour le coup voilà, je vous mettrai en barre d'infos aussi leur site et mon code promo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à utiliser mon code promo, ce qui vous permettra donc d'avoir des réductions. Donc ça c'est voilà, c'est toujours bon à prendre hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il n'y a pas de, souci. Donc voilà. Et puis après, bah, il faut tout simplement présenter leurs produits et puis réaliser voilà, tout simplement des créations. Donc pour cela, je vais vous présenter donc, ce que j'ai commandé chez eux. Donc ça a été livré dans une enveloppe bulle comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, oui, c'est vrai que je regarde encore. Mais attendez, je sais que j'ai... Oui, c'est ça. Ça a été livré donc le 2, vous voyez, le 2 décembre. Je ne sais pas si vous voyez en tout petit. Voilà, le 2 décembre. Et ça a mis quoi 2 semaines. Mais bon, comme je vous dis, j'avais pas trop le temps. Donc voilà, je vous mettrai aussi les prix en lien aussi. Je vous mettrai ça. Donc voilà, alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Alors... Oui, donc ça a été plutôt expédié le 2 décembre et c'est arrivé il y a 2 semaines. Et voilà, bah on est le 31 aujourd'hui, nous sommes donc vendredi. Et j'ai... Bah oui, j'ai pas eu le temps. Mais... Donc, je vais vous présenter alors ce que j'ai commandé. Alors, hop, je vois que j'ai un petit papier là. Alors, il y a tout plein de petits sacs, hein, donc, alors, ok. Donc, j'ai les codes, donc c'est très, très bien comme ça. Au moins, je pourrais, ouais, voilà, j'ai la liste de ce que j'ai commandé. Donc, comme j'ai les liens, je vous les mettrai en barre d'infos également. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on va ouvrir, vous voyez, c'est dans des tout petits sacs comme ceci. Hein, ça sert toujours, donc c'est très bien. Toujours enveloppé dans des petits sacs en bulle comme ça. Voilà. Alors, moi, je suis. Je me souvenais même plus de tout ce que j'avais commandé, mais voilà, pour le printemps, pour tout ça, pour. Ça va être sympa. Bon, on est encore loin, mais bon, on est encore en hiver, mais voilà. Alors. Je vais peut-être les ouvrir parce que... Hein, bon, peut-être que comme ça, si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai commandé ce dies. Voilà, avec... donc, c'est des cercles avec tout plein d'étoiles. Voilà. Ça, pour le coup, je peux encore m'en servir pour... voilà. Souhaiter faire des cartes de bonne année. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commandé... Alors là, pour le coup, je sais pas ce qu'il y a écrit. Je me souviens plus. Hello, oui. Voilà, c'est un cercle comme ceci aussi. Voilà. Donc là, il y a un sentiment Hello, mais alors en haut, je sais pas du tout ce qui est écrit. Mais bon, de toute façon, je ferai des créations avec. On verra ça par la suite. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai adoré. Donc oui, bien évidemment, je l'ai pris hein, avec
le muguet comme ceci. Je l'ai trouvé juste trop beau. Alors voilà, j'en ai profité pour le commander. Il est juste magnifique celui-ci. Après, voir bien sûr une fois que j'aurai fait mes créations, mes petites découpes avec. Donc voilà, j'ai pris celui-ci aussi. Donc voilà, pour changer un petit peu avec des cercles et tout. Donc voilà, je suis à fond cercle en ce moment. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris bien évidemment toujours dans leur petit sac à bulles et leur petit sachet en plastique comme ceci. Voilà, ça en fait du plastique. Alors là pour le coup, oui, j'ai pris des petits cœurs comme ceci avec, vous voyez, tout plein de petits trous au milieu. Donc là, vous pouvez même rassembler, faire de la couture avec, ça peut être sympa aussi. Voilà, faire un petit peu de broderie, on va dire ça. Même les, vous voyez, faire des petits zigzags avec du fil, voilà, de le faire passer, ça peut faire super sympa. Et donc j'ai eu, quand je les ai vus, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, waouh, ça va être sympa. Vous voyez, prendre le grand comme ceci et faire tout plein de zigzags avec du fil ou de la twine, enfin voilà. Et je trouvais que, voilà, faire ça avec ça peut être sympa. Donc je vous ferai de toute façon une petite création avec ces petits cœurs comme ceci avec le fil. Vous allez voir, ça va être juste superbe. Donc voilà, ensuite j'ai pris ces petits cœurs. Oui, je suis à fond cœur, moi j'adore les cœurs, voilà. Voilà pour les cartes de la Saint-Valentin, pour les cartes des amoureux, voilà, et puis pour les fêtes des mères, les fêtes des pères. Alors celui-là aussi, je l'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Ça fait tout plein de petits cœurs. Vous savez, on a l'impression que c'est collé par-dessus. C'est très très joli aussi. J'aime beaucoup. Et puis celui-ci, donc c'est voilà, tout plein de cœurs comme ceci. Voilà, un cœur avec tout plein de découpes cœurs. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer tous les tout petits cœurs et les garder pour faire un petit shaker avec d'autres voilà, d'autres dies. Pour faire des shakers, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai, alors il faut pas que je mélange parce que pour le coup, ouais, faut pas que je mélange, sinon après dans les références et les prix, je, voilà, j'ai pas trop envie. Donc ça c'était un lot, voilà. Et la rebelote toujours dans les sachets. Et ça sert, donc c'est très bien. On va rester toujours dans les cœurs pour le moment parce que j'en ai pris voilà, vous voyez, tout plein. Je suis à fond, ouais, parce que bon, je fais beaucoup de cartes aussi, tout ce qui est mariage, tout ça, donc voilà. Pardon. Et puis pour pas non plus avoir toujours les mêmes formes de cœur et tout, pour changer d'un mariage à un autre, donc voilà. Donc, ce modèle aussi qui est très très joli. Ensuite, j'ai celui-ci. J'ai pris celui-ci avec deux petites colombes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez là. Hop, et là. Très très jolie colombe. Magnifique. J'adore. Très jolie. Je cherche un papier. Si j'en ai un. Alors, attendez, est-ce que je. Ouais. Voilà, je crois qu'on voit mieux avec mes mains. Bon. Et j'ai pris donc cette forme aussi. Voilà, comme ceci. Très joli. Bon, c'est vrai que comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais une fois que je ferai les découpes et je vous montrerai voilà, mes créations, vous verrez mieux. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour cela. Ensuite, j'ai commandé. Des petites choses pour voilà, pour Pâques. Un petit lapin comme ceci, trop beau, j'adore. Ce modèle aussi comme ceci, très joli aussi, voilà. Ensuite, alors celui-là je l'ai adoré quand je l'ai vu sur leur site, il était trop beau, j'ai trop aimé. Donc voilà, je l'ai pris aussi, j'ai trouvé super chou. Donc voilà,
Donc là, vous avez le cadran, puis après, vous avez plusieurs oreilles, voilà, selon ce que vous voulez faire. Mais c'est très joli, même quitte à rajouter, voyez, enfin, je vous ferai une petite créa. On verra, en tous les cas. Je vais avoir du boulot, là, pour le coup. Et j'ai pris, donc, ces deux-là, qui sont juste trop choux. J'ai adoré. Ils sont trop mimi. Alors là, vous avez, donc, des petits nœuds, des petits... Bon, je vous montrerai ça aussi quand je ferai mes petites créations. Donc, voilà. Donc, voilà mes petites commandes donc chez Babycraft. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans leur boutique. Ils font juste des choses sublimes. En plus, il y a de tout. Vous avez énormément de choix. Alors là, c'est voilà, pour ceux qui aiment le diamond painting. Enfin, vous avez vraiment tout plein d'articles. Vous avez les sous. Vous avez... franchement, il y a pas mal de choses. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation des dies vous auront donné des petites idées. Et puis, n'hésitez pas surtout à utiliser mon code promo. Hein. Je vous le mets, comme je vous ai dit, en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien de leur boutique. Voilà. Bah sur ce, je vais vous dire à très vite. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous souhaite une très bonne année. Bisous à tous et surtout prenez soin de vous et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2022 et surtout scrapez bien et faites de belles créations pour 2022 et prenez soin de vous surtout. Bye bye.